Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du panneau solaire fabriqué grâce à une imprimante 3D. On va voir qui est à l'origine de ce procédé, comment ça fonctionne et quels sont les projets en développement. On se lance tout de suite, c'est parti. Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. Et si on vous disait que vous pourriez bientôt imprimer en 3D vos panneaux solaires? Cette prouesse technologique mondiale vient d'Australie. Une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Paul Dastour travaille depuis plus de 10 ans sur la création d'un liquide capable de capter et de conserver l'énergie solaire. Ces nouveaux panneaux pourraient bien représenter le futur de l'énergie solaire. Après avoir conçu une peinture photovoltaïque, les scientifiques australiens de l'université de Newcastle se sont penchés sur l'idée d'une encre solaire compatible avec une imprimante 3D. En bref, les chercheurs ont réussi à imprimer des panneaux solaires. Contrairement aux panneaux classiques, ceux-là ont la particularité d'être plus légers et plus fins. Ces panneaux solaires nouvelle génération ont plusieurs avantages. D'abord, ils sont légers et souples et leur pose est simplifiée. Les feuilles de film aluminisées sont fixées par du scotch double face puisqu'elles ne font que 0,1 mm. Autre point fort, leur légèreté permet d'équiper plus d'espace que les panneaux classiques, les murs, les sols et même les véhicules. Et enfin, ils sont particulièrement bon marché. On estime leur coût de production à 9 euros par mètre carré. Pour prouver l'efficacité de cette technologie, le professeur Dastour a réalisé une installation de panneaux solaires imprimables en 3D sur un toit de Melbourne. Bon, maintenant vous vous demandez sûrement où en est ce projet. Je vous réponds tout de suite. La technologie d'impression 3D n'est pas à ce jour produite à grande échelle. Elle est toujours en phase de test. La communauté scientifique, notamment celle du laboratoire d'Oak Ridge aux États-Unis, s'intéresse de près à ce nouveau système de production qu'est l'impression 3D. Les recherches de ce laboratoire se concentrent autour des pérovskites, des minéraux prometteurs pour le photovoltaïque. Avec un taux de rendement très élevé, ils sont capables d'être produits en très fines couches et de recouvrir tout type de surface. Les pérovskites sont encore peu utilisés aujourd'hui dans la fabrication de panneaux solaires, les fabricants lui préférant le silicium. Or, ce minéral possède à la fois la capacité de se moduler sur de nombreuses surfaces et d'être imprimé en 3D. Les scientifiques recherchent donc des axes d'amélioration en ce qui concerne leur capacité de rendement et l'augmentation de leur durée de vie. Vous l'aurez compris, la commercialisation de ce produit n'est pas encore prévue. Alors si vous voulez produire votre propre électricité photovoltaïque, il faudra vous tourner vers des panneaux solaires plus classiques. Pour discuter de votre projet et obtenir un devis gratuit, prenez contact avec nos techniciens conseillers. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour être rappelé. On a fait le tour des infos à savoir sur ce projet prometteur. Voilà ce qu'il faut retenir. Le panneau solaire via une imprimante 3D sera probablement le système de production de demain. Plusieurs technologies sont à l'étude pour alimenter votre maison en électricité au plus vite. Les scientifiques cherchent à atteindre au minimum le même niveau de performance que les panneaux classiques. Ces modèles nouvelle génération sont étudiés pour avoir la capacité d'être modulables sur toutes les surfaces. Ils pourront donc être installés sur tout type de maison. Le coût des panneaux solaires imprimés en 3D sera probablement moins cher que ce que connaît actuellement le marché. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le photovoltaïque. Si cette courte vidéo vous a plu, je vous conseille maintenant d'aller voir celle-ci.